un Algérien, un Tunisien et une citation. Voilà, c'est le nouveau nom de l'émission. T'as vu, ça rime en plus, citation, émission. Alors, Fabrice, comment ça va, Rav Benoulou? Eh ben magnifique, depuis la dernière citation. Bah oui, on d'ailleurs, vous m'avez manqué, hein, là, tu m'as manqué, on moi va aussi, dire. Moi aussi. Voilà, c'est quoi la citation? Alors cette semaine, on reste toujours dans les pays de l'Est, pour l'instant, Rabbi Shmuel de Chokhsof. Chokhsof. Voilà, il nous dit, alors, il n'est rien... T'as jamais de citation de Tunisien? Si, il faut que j'en prépare. Ah ouais, parce que non, je suis pas bien là. Chaque semaine, il y a que des Ashkenazes qui font des citations. La prochaine maintenant, c'est du haut niveau, hein, ce que t'as. Absolument. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé dans ta citation. Vas-y. Alors, la prochaine citation. Rav de Chokhsof nous dit la chose suivante: il n'est rien qui habitue le cœur de l'homme au mensonge autant que l'orgueil. Il n'est rien qui habitue le cœur de l'homme au mensonge autant que l'orgueil. J'ai rien compris. Ça t'inspire ? Vas-y, redis-le dans le français. Rav nous explique en vérité que malheureusement, un des plus grands défauts qu'on peut malheureusement cultiver dans ce monde-là, c'est ce qu'on appelle la gava, l'orgueil. L'inverse de la simplicité qu'on parlait la semaine dernière. Et il nous dit ici, le cœur de l'homme malheureusement s'habitue à l'orgueil. Quelqu'un qui développe une mauvaise qualité, une mida, une mauvaise qualité morale, eh bien au fur et à mesure, ils ne se rendent pas compte que cette qualité, elle va l'intégrer, elle va faire partie, elle va devenir une deuxième personnalité finalement. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, il n'y a rien qui habitue plus le cœur de l'homme au mensonge que l'orgueil, parce que l'orgueil amène au mensonge, selon le Rav ici. Alors concrètement, ouais, mais non, ça va, je suis pas là, je sais pas. Alors, j'ai pas compris. Alors, l'orgueil, elle fait quoi au cœur de l'homme? L'orgueil, Alors, l'orgueil, c'est pas bien. L'orgueil, c'est pas bien. Ça, on va leur faire. Allez, trop compliqué. Alors, ça. L'orgueil, c'est pas bien. Parce qu'il a mêlé le mensonge à l'orgueil, c'est compliqué ça. Alors, vas-y, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. On est là, on va y arriver. Non. Alors, l'orgueil. Rav, on est là. Ah oui, on sera là. On bouge pas, on veut comprendre. Alors, l'orgueil, il ment, il entraîne un mensonge à la personne se ment à elle-même, voilà, en fait. Voilà, tout à fait. En pensant que son orgueil, c'est de la bonne chose. Voilà, exactement. Donc finalement, l'orgueil, c'est une forme de mensonge, puisque, comme tu as dit à très, très juste titre, la personne se ment à elle-même. Donc elle va se fabriquer une certaine nouvelle personnalité, oui, qui fait que malheureusement, elle va s'enfoncer dans cette deuxième personnalité qu'elle s'est créée, et puis finalement, eh bien, elle va s'habituer à cela, pensant que c'est sa personnalité, en vérité. Ça n'a rien à voir. Alors voilà, c'est très clair. On a compris. Alors concrètement, par exemple, un gars qui réussit, je sais pas moi, dans les affaires, à la télévision, un nouveau riche et tout, il prend la grosse tête, il oublie ses vraies valeurs, il oublie ses vrais amis, il oublie la vraie vie. Donc son orgueil, elle lui fait mentir à lui-même sur ce qu'il est. Et voilà. Et finalement, il passe à côté de l'essentiel. Qui est dans l'actel. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ah ben, voilà, on y a réussi, on a compris. Merci, Rav Benoulou.